Deuxièmement, vous rappelez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la Terre. Et grâce à l'Union des géologues pour la protection et la gestion de l'environnement d'Haïti en collaboration avec l'ONGA, vous avez à voir une très belle conférence qui s'est déjà de cette grande personne. Vous êtes invité de vous relever, mesdames et messieurs, pour conserver notre IGPGEH de la présentation de la madame et les propos de bienvenue. Veuillez observer la minute de recueil. Merci beaucoup. Merci les directeurs de l'École nationale de chimie appliquée, ENGA. Merci mesdames les membres de l'administration, madame la conférencière, chers collègues de l'IGPGEH, mesdames et messieurs, chers camarades étudiants. Soyez cordialement les bienvenus à la journée de réflexion organisée à ENGA en occasion de la célébration de la journée mondiale de la planète Terre. Cette journée que je dirais même un après-midi s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités académiques et para-académiques, des débats et réflexions initiées par l'Union des géologues pour la protection et la gestion de l'environnement, UGPGEH, autour des problématiques de l'exploitation des ressources minières du sous-sol haïtien, des changements et modifications des phénomènes climatiques et hydrométéorologiques extrêmes, tempêtes, inondations, vagues de chaleur, etc. qui ont coïncidé des conséquences désastreuses sur les réalités socio-économiques du pays. Suivant un rapport publié en 2015 par le Climate Risk Index, CRP, Haïti compte parmi les trois pays terminés la conférence du Paris COP21, la planète Terre a commis des modifications. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir la chercheure Madame Ginette Touré-Mathurin dans une conférence autour du thème les ressources du sous-sol d'Haïti, mythe ou réalité, quelle perspective de développement envisager. Qu'il me soit permis de faire, à ma manière, une présentation et de consulter sa fondation scientifique, la fondation Dr. Daniel Mathurin, dont la mission, comme elle a signalé, est de mobiliser les jeunes. La conférencière partagera avec nous les résultats des recherches qu'elle a menées sur différents sites avec son plus fidèle et intime collaborateur, le feu docteur Daniel Mathurin, sur les ressources du sous-sol haïtien, selon des théories et des preuves à l'appui sur l'existence des hydrocarbures et des combustibles fossiles, des gisements de métaux rares comme l'uranium 238, le zirconium dans différentes régions d'Haïti et les retombées économiques qu'elles pourront apporter au pays. Madame Mathurin, les étudiants et la rapidité avec laquelle vous avez accueilli notre invitation. Je remercie en passant mon camarade de la faculté d'économie, Emmanuel Stéphane Laurent, jeune chercheur très dynamique, qui m'a facilité le contact. Chapeau bas, mon ami. J'aimerais terminer par une expression qu'aiment utiliser les Mathurins. La vérité scientifique nous affranchira. Bonne participation à vous tous. Merci.
Je salue toute l'assistance qui est très jeune et ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de jeunes qui sont intéressés à la géologie de leur pays. Et je dois vous dire que dans l'exposé que j'avais préparé pour vous, je l'ai scindé en deux parties. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est la première partie. En effet, Dauphinier vous a parlé de richesse du sous-sol haïtien, mythe ou réalité. Là, j'ai être en Haïti depuis plus de 10 ans qui ont fait des recherches sur le territoire, particulièrement dans le Grand Nord, le Nord-Est, le Nord et le Nord-Ouest, et il y a des preuves palpables de ces richesses, particulièrement l'or, l'argent et le cuivre. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et donc, j'ai scindé en deux. La première, cette partie-là que je vous présente, va vous prouver que la configuration de notre sous-sol est normalement, engendre normalement de la richesse en minerai. Et je vous réserve une deuxième présentation, peut-être avant la fin de la session de l'école, c'est-à-dire vers fin juin, où je viendrai vous présenter les résultats des recherches de ces grandes compagnies qui ont investi le sous-sol haïtien afin de pouvoir trouver ces richesses et demander des contrats d'exploitation au gouvernement haïtien. Et j'ai voulu, et avant de parler de richesse, j'ai voulu faire une démonstration avec vous de la capacité de ce pays à engendrer ces genres de minerais. Et pour le prouver, je suis obligé de passer par la plaque caribéenne. Comme vous voyez, malheureusement, je peux bouger un petit peu. Okay. Comme vous voyez ici, montagneuse, c'est parce que nous sommes coincés entre deux grandes plaques et dans le mouvement, puisque les plaques ne sont pas figées, les plaques se déplacent, d'accord ? Donc, dans ce mouvement de compression, d'accord, nous avons la création de ces immenses chaînes de montagne. Bon, une plaque tectonique, vous le savez, pour être des étudiants en géologie, c'est une plaque lithosphérique qui est un fragment de la lithosphère résultant de son découpage à la manière d'un puzzle par un système de failles, de dorsales, de rifts et de fosses de subduction. Les plaques lithosphériques se déplacent de quelques centimètres par an dans des directions différentes, ce qui entraîne la formation de zones de divergence, de subduction, de collision et de coulissage. Dans l'image, la première image, les lignes rouges, ce sont les lignes coulissantes. La plaque caraïbe est en mouvement et ses limites avec ses voisines sont de deux types, les subductions et les décochements. À l'est et à l'ouest, elle chevauche les plaques océaniques qui sont en expansion continue. Les plaques océaniques passent sous la plaque caraïbe qui est la plus légère. Ce phénomène de subduction est généralement dangereux car de puissants séismes se forment au contact des deux plaques et des volcans explosifs se forment sur la plaque chevauchante. La poussée exercée sur la plaque caraïbe est plus grande du côté pacifique et l'ensemble se déplace vers l'est. Au nord et au sud, elle se décale vers l'est le long de grands décrochements et cela génère parfois de grands séismes, mais aucun phénomène volcanique.
pour ceux qui concernent les grandes Antilles. Mais pour ceux qui concernent les petites Antilles, nous savons qu'il y a des volcans qui sont très dangereux. Donc, elle couvre, je suis toujours dans la petite plaque, la majeure partie de la mer des Caraïbes et les îles de la Jamaïque, d'Hispaniola, d'Haïti, de Porto Rico et les petites Antilles. Le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le nord du Costa Rica. La plaque Caraïbe est en contact avec les plaques de Panama, des Andes du Nord, sud-américaines ou Nazca, nord-américaines et de Cocos. Ses frontières avec les autres plaques sont notamment formées des forces de subduction d'Amérique centrale sur la côte pacifique du Nicaragua et du Salvador et Caraïbes sur la côte est des Antilles. Elle se déplace vers le nord-est à une vitesse de 2,47 cm par an ou encore à une vitesse de rotation de 0,904 degrés par million d'années, selon un pôle éolien situé à 54 degrés 31 minutes de latitude nord et 79 degrés 43 minutes de longitude ouest. Elle représente la clé de voûte du continent américain avec des intersections convergentes, divergentes et transformantes, comme on l'a déjà dit. Et voilà. Donc, les décochements, vous les voyez ici, d'accord? Donc, c'est ça, c'est toute cette partie bleue intérieure-là qui représente la plaque caraïbienne. Et vous voyez les subductions. Donc, c'est les grosses plaques qui rentrent sous notre petite plaque. Pour comprendre le mouvement des plaques, on va comprendre, pour le comprendre, on va étudier le globe. On va faire une coupe et puis on va étudier la Terre de la croûte au noyau. Ici, c'est une coupe de la Terre, c'est un morceau de Terre, d'accord? Nous voyons que ça représente un rayon et de la Terre qui est de 6378 km. Ici, nous voyons une graine à l'intérieur, quand on parle de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons une graine solide, nous avons une graine liquide, nous avons le manteau et nous avons la croûte océanique et la croûte lithosphérique sur laquelle nous vivons. Vas-y. On distingue deux croûtes. La croûte océanique, sous les océans, qui a une densité de 3,2 et qui est formée de roches basaltiques. Et la croûte continentale, de densité 2,9 à 2,8 à 2,9, qui est formée de roches granitiques. L'écorce terrestre est très réactive à l'image de la peau humaine. Elle se construit, se déconstruit, se ride, se fracture en lien avec le métabolisme interne de la Terre. Mais l'homme, à notre époque, contribue à cette réactivité parfois catastrophique. Séismes provoqués par les forages pétroliers intempestifs, par exemple, ou encore la géothermie, les barrages, etc. La croûte océanique basaltique alcaline plus lourde a une densité de 3,3. Elle aura tendance à plonger sous la croûte continentale, qui est granitique acide de densité 2,8, qui est plus légère. Les mouvements de convection. Nous savons, comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons parlé de graines dures et de graines liquides au centre de la Terre. La graine dure est un oxyde de fer en fusion, mais elle est plus dense qui crée des mouvements de conduction. De conduction à cause du mouvement de la chaleur vers l'extérieur. Au fur et à mesure ça va vers la surface, il y a un refroidissement qui se fait. Et c'est justement
ce refroidissement de matière liquide qui nous donne les roches que nous connaissons. Et les roches sont donc des minerais. Donc, c'est ça. La chaleur dans le noyau de la Terre réchauffe le magma, cause le mouvement des roches dans le manteau, et le magma chaud monte vers la surface où il est refroidi et redescend au manteau. C'est ce mouvement-là que l'on appelle le mouvement de convection. Et c'est justement ce mouvement de convection qui se fait dans le manteau extérieur de la Terre qui permet le déplacement des plaques tectoniques. Fragmentation de la plaque des Caraïbes il y a 90 millions d'années. On va voir ça. L'Amérique du Nord était détachée de l'Amérique du Sud et toutes les îles des Caraïbes étaient des îles dérivantes. Et à cette époque-là, il y avait justement une montée des eaux. Et cette montée des eaux était évaluée à 180 mètres. Donc, il y a une bonne partie de l'Amérique du Nord qui était sous les eaux, une bonne partie de l'Amérique du Sud sous les eaux, et si nous voyons ici, Haïti était sous les eaux, Panama était sous les eaux aussi, de même que Porto Rico, Jamaïque. Continuer, c'est justement ce que je viens de dire là. Malheureusement, il y a oui, d'accord. Donc, ça c'est la petite plaque. Et cette théorie, Raymond Matabosch reprend cette théorie, mais pour lui, il y avait deux segments. Un segment qui contenait Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belize, Jamaïque, Haïti, Porto Rico et les petites Antilles, qui étaient sur une grande plaque, et sur une plus petite plaque, Panama, Costa Rica, qui y était. Tu peux rouler? Voilà, là, nous allons voir que la plaque Caraïbe était totalement fragmentée. D'abord, il y a 24 millions d'années, on avait 7 microplaques avec les 3 fragments et d'Haïti. Nous avons le fragment de la presqu'île du Sud, nous avons le fragment de la plaine du cul-de-sac et du nord-ouest. Et nous avons toute la partie est qui représente la République dominicaine et la partie nord-est d'Haïti. Cathy, tu peux y aller, tu peux rouler comme un fil. Voilà. Maintenant, à 19 millions d'années, on a eu 9 microplaques avec Haïti fragmenté en 5 parties. Si nous remarquons, ces lignes sont des lignes de faille. D'accord? Ce sont les lignes de faille dont on parlait tout à l'heure, les lignes de faille principales. Donc, nous voyons qu'il y a à 19 millions d'années, la presqu'île du Sud s'est rapproché de la partie centrale et d'Haïti, et il y a une longue faille qui s'est formée, et cette longue faille coupe la presqu'île du Sud en deux. C'est comme si la grande os était devenue une autre partie. D'accord? Et nous avons dans le nord une autre faille qui s'est formée en plus de la faille de subduction. D'accord, qui a coupé une bonne partie le nord du reste. Vas-y.
à 1,5 million d'années, on a 11 microplaques. Donc la microplaque de l'île de la Tortue et la microplaque de l'île de la Gonâve. Donc vous voyez que l'île de la Gonâve et l'île de la Tortue, ce sont des petites plaques à l'intérieur de la plaque caribéenne. Et on a un total de 12 plaques à partir de 20,5 millions d'années, parce que cette faille qui avait coupé la partie sud, d'accord, se prolonge ici, et nous allons voir, je peux continuer, qui va couper la Jamaïque en deux segments aussi. Et la plaine du cul-de-sac est devenue elle-même un microplat. Donc au total, nous avons pour la petite plaque caribéenne, elle est formée de 13 microplaques. Donc c'est un véritable puzzle. Voilà, ça nous montre la cassure, et voilà comment était Haïti, qui s'est, au fur et à mesure des temps géologiques, s'est rapproché à cause des mouvements des plaques dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a donné ce que nous connaissons nous-mêmes comme île d'Haïti. Donc ceci... Tout ce que je vous ai raconté là, ça s'est fait entre 82 et 65,5 millions d'années. Vas-y. Maintenant, on va voir en simulation la reconstitution de la plaque caribéenne. Ça, c'est ce... Reviens. Okay. Ça, c'est ce que nous connaissons. Tu peux laisser rouler seul, parce que c'est une simulation. Vas-y, donne une impulsion. 24 millions d'années, voilà comment nous étions. Et puis, vous regardez les millions d'années passées là, et le mouvement... des différentes parties jusqu'à l'assemblage final. Et cet assemblage final a eu lieu il y a 1 million d'années. Vous voyez comment les plaques se déplacent l'une vers l'autre, de manière à nous donner la configuration finale que nous connaissons maintenant. Voilà. Ok ? Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons remarquer ? Nous pouvons remarquer l'existence des failles principales. La faille sud, la faille centrale et la faille nord. En 2010, c'est cette faille-là qui avait déclenché le séisme. D'accord ? Mais, à part ces failles principales, Haïti est rempli de failles. Il y a plus de 1000 failles sur notre territoire. Et, dans les failles, qu'est-ce qui se passe ? C'est les points de... C'est comme des zones, d'accord, et qui permet à la matière qui sort du centre de la Terre de venir se refroidir dans les failles, d'accord. Donc toutes ces lignes de failles, si nous remarquons bien, si nous avons la configuration de l'île sud dans notre tête, nous avons
la grande chaîne de montagnes qu'on appelle la cordillère centrale. Et cette cordillère centrale, vous voyez, elle est en subduction sur la partie est. Ok ? Et c'est justement dans cette cordillère centrale que on a découvert toutes les richesses de ce pays, particulièrement l'or, l'argent et le cuivre. Depuis Kotoui, Kotoui c'est une petite île qui se trouve et du côté de la République dominicaine, entre la capitale et Santiago vers le nord, et toute cette cordillère-là, dans toute cette cordillère, il y a beaucoup de richesses. Lorsque les Espagnols sont arrivés en 1492, et je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire d'Anacaona, Anacaona a été transportée dans cette zone, justement, et c'était parce que c'est là que les indigènes, moi je ne les appelle pas des indiens parce qu'ils ne venaient pas d'Inde, d'accord ? Je les appelle des indigènes qui étaient sur le territoire, et bien c'est là qu'ils ont montré aux Espagnols un site où ils puisaient de l'or pour faire des poteries, pour faire aussi des médailles, et selon leur compréhension de la cosmogonie. Donc, voilà, la partie sud de ce pays n'a pas encore été investie, il n'y a pas encore d'études spécifiques pour la partie sud. Mais les chercheurs dominicains en géologie nous disent que le nord, oui, elle a des richesses, mais le sud a encore plus de richesses que le nord. Ça, nous ne l'avons pas encore prouvé. Mais nous avons prouvé que, effectivement, le Nord est plein de richesses. Il y a aussi les cratères d'impact, qui sont des éléments, d'accord, qui peuvent induire de la richesse. Et nous allons voir pourquoi. Ici, c'est une carte de la Terre, et sur cette carte, vous voyez des petits points. Ces petits points représentent l'ensemble des cratères d'impact qu'on a dénombrés sur la Terre. Il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas encore trouvés, parce qu'il y a eu des roches qui sont tombées dans les océans, donc on n'a pas encore connaissance de ça. Mais sur la lithosphère, on a dénombré 150 cratères d'impact. Et pourquoi j'ai parlé de cratères d'impact ? Parce que, justement, la démonstration que l'on vient de faire tout à l'heure pour montrer la fragmentation de la petite plaque caribéenne va peut-être avoir et une explication sur ce cratère-là. C'est le cratère de Chicxulub. Chicxulub, c'est la péninsule ibérique du Mexique. D'accord ? Et nous voyons que Chicxulub est en face de Cuba. Ok ? Il y a, dans les années fin 80, même début 80, il y a eu sur le territoire haïtien la présence des plus éminents géologues et géophysiciens mondiaux qui sont venus faire des études en Haïti. À cette époque-là, tous les Haïtiens avaient la tête chauffée, vous étiez jeunes, c'était pas vous, mais vos parents, avaient la tête chauffée à mettre dehors Jean-Claude Duvalier. Mais pendant que les rues, tout le monde était en effervescence dans les rues, eh bien, ces chercheurs ont investi notre territoire pour pouvoir faire des recherches de très haute importance pour la Terre. Et c'est ainsi que, en découvrant ce cratère, ils ont eu l'idée
de rechercher les preuves de cette catastrophe, d'accord, sur le pourtour du cratère. Donc, forcément, le Mexique, les États-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique sud, partie nord. C'est ainsi, en faisant ces recherches, ils ont été, il y a un d'entre eux, qu'on appelle Hildebrand, qui est venu en Haïti et qui, en poursuivant ses recherches, il a été à Belloc, qu'on appelle aujourd'hui Tongato, sur la route nationale, sur la route de Jacmel, qui est appelée la route de l'amitié, et il a trouvé les indices de l'impact. Et les indices de l'impact, c'était quoi? C'était de l'iridium, c'était la magnétite nickelifère, c'était le quartz choqué et le zircon. Donc, la théorie, une fois trouvée la preuve de cette théorie, ils ont émis la théorie. Donc, le cratère de Chicxulub, qui fait un diamètre de 180 km, est le fait de l'impact de l'astéroïde de quelques 1000 milliards de tonnes en termes de masse, d'une dizaine de kilomètres de diamètre, qui pénètre dans l'atmosphère à une vitesse de 15 à 20 km par seconde, et l'impact produit une explosion nucléaire qui est estimée à une température allant de 1023 à 1024 joules, c'est-à-dire plusieurs millions de mégatonnes de TNT. Pire que la bombe atomique. Cet astéroïde a suivi le trajet nord-est-sud-ouest. Donc, pour aller s'échouer dans la péninsule de Yucatan, l'astéroïde nous a entièrement traversé. OK? Et en nous traversant, ça a entraîné des zones de choc sur 7000 km, du feu et un soulèvement du fond marin du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, avec des vagues successives de plus de 100 mètres de haut. Là, on dit 100 mètres de haut, mais il y a des chercheurs qui disent plus de 1000 km de haut. Et d'après les simulations qui ont été faites, les vagues de ce choc-là a été du côté de l'Afrique et de l'Europe et nous est retourné. On a eu une série de vingtaines de vagues dans 24 heures. On peut comprendre que dans le sous-sol haïtien, quand on est quelqu'un qui habite la montagne et qui se construit sa maison et normalement fouille les fondations de la maison, peut-être à 500 mètres d'altitude ou bien à 800 mètres d'altitude, et en fouillant la fondation, ils retrouvent des ammonites. C'est cette catastrophe qui explique ça. Hein? Et c'est aussi le fait que, tout à l'heure, nous avons vu que nous étions sous l'eau dérivant. D'accord? Donc, cette catastrophe explique le pourquoi de cette immersion de ces îles des Caraïbes pendant cette période. Nous savons que les températures et la pression extrême entraînent une minéralisation nord et une sédimentologie abondante. Dans ce choc-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le fond de l'océan a rejailli sur toute la zone. D'accord? Donc, ce que nous retrouvons, La structure de sol que nous retrouvons ici et sur l'île d'Haïti, on le retrouve aussi sur les autres îles. Dans sa chute, un gros fragment de cet astéroïde est venu percuter la zone de Belloc, aujourd'hui appelée Tongato, lieu où la preuve de la chute de l'astéroïde a été faite dans les années 80 par la présence abondante de ces minéraux. Voilà. Donc, voilà le trajet de l'astéroïde
qui est venu percuter Chicxulub. Et voilà le retour. Donc, on nous dit que l'onde de choc a fait 7000 km. Vous vous imaginez ça? 7000 km. Vas-y. Ainsi, dans tout le pourtour du globe du Mexique, du bassin des Caraïbes, de l'Alabama au Colorado, en passant par le nord de l'Amérique du Sud, on a retrouvé des traces d'iridium, du quartz choqué, du zircon et des spinels qui sont les témoins de cette catastrophe planétaire. Or, toute cette zone est riche en hydrocarbures, citons Colorado, Houston, Alabama, Golfe du Mexique, Yucatan, Belize, Guatemala, Cuba, Venezuela et Haïti. Après avoir constaté que le Golfe du Mexique et la mer des Antilles regroupent avec le Colorado sept pays qui contiennent une immense réserve de pétrole sur toute la planète, William Heidel, économiste et géophysicien allemand, conclut que Haïti doit aussi avoir d'énormes réserves de pétrole. Les météorites au contact de l'atmosphère, maintenant on va voir pourquoi cette profusion d'iridium. Les météorites au contact de l'atmosphère produisent un composé de magnésium, la magnétite nickelifère, par la transmutation de sa croûte. Quand un météorite toujours riche en nickel rentre dans l'atmosphère, sa fusion produit la magnétite nickelifère en présence de l'oxygène. Au cours de son ralentissement et de son réchauffement, la surface externe de la météorite subit une érosion importante et de fines gouttelettes de matière en fusion sont arrachées par le frottement aérodynamique. C'est dans ces gouttelettes qui s'oxydent au contact de l'atmosphère que cristallisent les magnétites nickelifères. La composition des magnétites dépend de la pression d'oxygène, donc de l'altitude à laquelle s'effectue l'oxydation. Plus la pression d'oxygène est élevée, plus le fer est oxydé et plus la proportion de Fe3+ est importante. Une forte pression d'oxygène favorise donc la formation de trévorites et de magnésioférites qui ne contiennent que du fer à l'état trivalent. Ça, c'est suivant la recherche de Robert Rochia. Il a écrit un article en 1993 qui s'appelle « La catastrophe de la fin de l'ère secondaire » qui est retrouvé dans la recherche numéro 260, volume 24, décembre 1993. Alors, il y avait Boyton, il y avait Rochia qui était sur le terrain aussi. Et William D. Boyton, qui est un physicien chimiste américain de renom de l'Université d'Arizona, d'accord, a écrit un rapport dans lequel il fait ressortir l'importance d'Haïti dans cette catastrophe de la limite Crétacé-Tertiaire. Il dit, en effet, la recherche du site de l'impact s'était transformée de façon surprenante avec la découverte par une équipe de chercheurs de l'Université d'Arizona qui, étudiant les sédiments de la limite Crétacé-Tertiaire en Haïti, trouva un dépôt de matériaux propulsés de l'impact formant un énorme cratère. Ces débris dont l'épaisseur est au moins 25 fois supérieure à celle de n'importe lequel des autres sites au monde indiquèrent clairement que l'impact qui sembla avoir affecté très défavorablement le cours de la vie sur la Terre a eu lieu dans les régions des Caraïbes et du Golfe du Mexique. Cette découverte très importante conduisit l'équipe de chercheurs au cratère de l'impact connu maintenant comme le cratère de Chicxulub, situé approximativement à 1600 km à l'ouest de Haïti. Il continue, il dit, le dépôt de matériaux résultant de l'impact en Haïti, près de Belloc, est d'une importance capitale, en partie à cause de son rôle historique dans la découverte du site de l'impact, mais aussi parce que les chercheurs auront besoin de poursuivre l'étude pour mieux comprendre sa formation géologique et le processus de destruction qui accompagne les événements à grand impact. Maintenant que nous avons par opposition à un cratère hypothétique, un cratère réel à étudier, étant en mesure de remonter à l'origine de cette importante et très utile région, il est extrêmement important. Je lis ça lentement pour que vous puissiez avancer.
Il est extrêmement important d'étudier les rejets de cet énorme impact. Les sédiments d'Haïti représentent la meilleure partie des rejets de l'impact à la limite Crétacé-Tertiaire de toute la région des Caraïbes. Si nous devons parvenir un jour à comprendre les processus associés aux catastrophes globales, nous devons visiter à l'avenir plusieurs fois ce site à mesure que notre capacité à formuler des questions scientifiques progresse et que s'accroît notre habileté technique d'analyse des matériaux. Voilà l'importance du site de Belloc pour les grands scientifiques du monde. Par la suite, il y a eu un autre géophysicien qui s'appelle Gerta Keller, qui est professeur de paléontologie à l'université de Princeton et qui a publié en 2004 la météorite Innocente in la recherche numéro 379. Elle écrit, et nous citons, « Nous avons alors recherché le dépôt original des micro-tectites tout au long des années 90 lors de missions de terrain au Mexique, en Haïti, au Guatemala et à Belize. Par la suite, elle a retrouvé deux couches successives de dépôts datant de 65 et 3 millions d'années prouvant la collision. Je me rappelle que quand le docteur Daniel Mathurin et moi, nous avons fait une émission sur ces recherches-là, le ministre de l'Éducation nationale qui est d'alors a fait appel à nous pour aller investiguer le site de Belloc. Et comme le docteur Mathurin, lui, il est un chercheur qui glane un peu partout, il n'est pas un géophysicien, il a demandé au ministre de faire appel à un géophysicien pour nous accompagner à faire cette étude. Et le ministre a fait appel à un géophysicien français qu'on appelle Christian Desoumeaux. Et ce Christian Desoumeaux a été sur le site et a fait des investigations pour voir si effectivement ce que disaient ces chercheurs était une réalité. Non seulement il a prouvé que c'est une réalité, mais il a fait une autre découverte. Et la découverte qu'il a faite, c'est quoi? C'est que il a recherché le champ, il a essayé de trouver le champ magnétique de la zone et il a vu que le champ magnétique de cette zone est trois fois plus puissant que le champ magnétique des deux pôles de la Terre réunis. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, nous avons parlé de magnétite nickelifère, pareil. Donc s'il y a de la magnétite nickelifère, c'est normal qu'il y ait un grand champ magnétique dans cette zone. D'accord? Et il a aussi prouvé qu'il a trouvé qu'il y a eu deux catastrophes. Il y a eu une catastrophe il y a 65 millions d'années et une catastrophe il y a 63 millions d'années. Voilà le site. Alors, le docteur Mathurin et moi, nous avons été invités par un groupe à parler de la catastrophe avec eux à l'époque. Et après avoir fait la présentation, il y a un monsieur qui nous a abordé et qui nous a expliqué qu'il faisait partie du cabinet de Jean-Claude Duvalier. Parce que la route de l'amitié a été construite sous Jean-Claude Duvalier. Et la route de l'amitié a été construite tout de suite après que l'on ait découvert le site de Belloc. Et c'est à ce moment-là qu'il nous dit qu'il comprend pourquoi la France, parce que la France faisait partie de l'équipe de chercheurs qui était en train de travailler, et c'est ce qu'on va comprendre parmi les trois amis d'Haïti, comme on les appelait, d'accord? Ils étaient tous sur le site en train de travailler, d'accord? Donc, c'était c'est eux aussi qui menaient les mouvements de déstabilisation du pays pour pouvoir mieux asseoir leurs recherches, parce que les Haïtiens n'allaient rien comprendre.
D'accord. Et ce monsieur nous a expliqué que toutes les terres qui ont été enlevées dans cette zone ont été transportées vers un bateau français et ils sont partis en France avec. Donc voilà, pendant que nous avons la tête chauffée dans les rues, les chercheurs viennent investir notre territoire, prennent des matériaux de grande valeur et vont chez eux avec, sans nous donner un sou. Et puis, encore, ces mêmes gens de ces mêmes pays parlent d'Haïti comme le pays le plus pauvre de la planète. Voilà. Il y a aussi, dans notre zone, il y a aussi la ceinture de feu qui est une chaîne sous-marine. On va voir ça. Donc, ce que j'ai voulu vous montrer, j'ai voulu vous montrer que tous les phénomènes qui permettent d'avoir une minéralisation particulière dans une zone, eh bien, tous ces phénomènes se retrouvent dans notre zone. Les séismes, les volcans sont connus pour leur habileté à transformer la surface de la Terre. Mais de nouvelles recherches entamées dans les Caraïbes, après le séisme de 2010, ont permis de retrouver d'anciennes roches provenant du tréfonds de la Terre remontant à plus de 1000 milles. Deux géologues de l'Université de Floride ont participé à la recherche de lave en Haïti et en République dominicaine. Ils pensaient que l'île était suffisamment jeune du point de vue géologique et s'attendaient à retrouver des roches datant de 150 à 160 000 années. Les résultats de ces recherches publiées dans la revue de l'Université de Floride ont montré des remontées de lave très anciennes provoquées par le séisme de 2010. Ce volcanisme a dû être actif il y a 1 million d'années, ce à quoi il ne s'attendait pas dans cette région âgée de 40 millions d'années, révèle Michael Perfit, professeur et chairman du département des sciences géologiques de l'Université de Florida. La découverte la plus surprenante provient de l'analyse chimique de ces laves qui montrent une composition similaire avec des laves retrouvées dans la partie stable à l'intérieur d'anciens continents. L'examen chimique détaillé suggère une datation de la source de ces laves dérivant d'un manteau rocheux colonie situé. Au cours d'une interview et sur le Real News, le 30 janvier 2010, après le séisme, révèle que la USGS confirme la possibilité, après la découverte d'une supergéante réserve de 7 milliards de barils d'hydrocarbures à Cuba, que Haïti contient dans son sous-sol d'immenses réserves de pétrole et aussi de l'uranium et de l'or dû à la tectonique particulière de la plaque caraïbéenne similaire à la plaque d'Arabie Saoudite. Haïti, un grand trésor minéralogique de la planète non exploité, contient une réserve massive de pétrole et de dépôts minéraux, or et uranium. L'activité tectonique et volcanique intense des Caraïbes et sa sédimentologie sont génératrices de ce vaste dépôt minéral et des réserves massives d'hydrocarbures. Y a-t-il effectivement du pétrole en Haïti? Au début du XXe siècle, la carte géophysique et politique de l'île d'Haïti, dressée en 1908 par Alexandre Pujol et Henri Thomasset, signalait un important gisement de pétrole en Haïti au voisinage de la source du Rio Todo El Mundo, affluent de droite du fleuve Artibonite, plus connu aujourd'hui sous le nom de rivière de Tomon. Le gisement de pétrole en question se trouve à cheval sur la limite entre les arrondissements de Hinche et de Mirbalais, dans une zone montagneuse située au pied de la chaîne des montagnes noires en direction plein ouest de Tomon. La même carte signale un gisement de pétrole dans la plaine dominicaine d'Assois, à une faible distance au nord de la République dominicaine de la ville d'Assois. Ce gisement en République dominicaine avait été mis en exploitation dans la première moitié de ce siècle et avait produit jusqu'à 60 000 barils de pétrole par jour. Jugé à l'époque insuffisamment rentable, car à l'époque,
le baril de pétrole se vendait, je crois, à 10 dollars, quelque chose de ce genre. Donc, c'était pas intéressant. Il fallait avoir plusieurs centaines de milliers de barils par jour pour être une source rentable. Donc, pour cela, on avait fermé. Toujours en République dominicaine, on annonçait qu'en 1982, avait été découvert en face de cette même plaine d'Assois un immense gisement de pétrole offshore au large de Barahona, mais que ce gisement est resté inexploité. Donc, si nous connaissons Haïti et nous connaissons la République dominicaine, si on parle de pétrole offshore au large de Barahona, c'est chez nous, n'est-ce pas? Donc, le pétrole dominicain, c'est aussi notre pétrole, d'accord? Et dans les années 80, fin 90, début 2000, et ils ont mené des recherches, et sur toute la zone où se trouvent les lacs, je parle le cul-de-sac, toute cette zone de cul-de-sac, sous cette zone de cul-de-sac, il y a du pétrole. Quels sont les sites pétrolifères potentiels que nous connaissons jusqu'à présent? Il y a la Gonâve, qui est un intérêt majeur selon la Banque mondiale. Il y a le bassin Rochelois, dans l'Ouest, qui est d'un intérêt majeur suivant la Banque mondiale. Et vous allez remarquer que la plupart de ces recherches-là ont été faites dans les années 90 par la Banque mondiale. Et nous savons que c'est la Banque mondiale qui finance les grandes compagnies qui viennent puiser ces richesses à travers le monde. Et le Canada aussi. La chaîne des Mateux, la plaine du cul-de-sac dans l'Ouest, la chaîne des Mateux dans l'Ouest, la plaine de Léogan dans l'Ouest, les montagnes noires, les montagnes du Trudeau, la Grande Cayenne et Grande Cayenne est d'un intérêt majeur. Et celui-ci a été dit par Bernardo Bevega, qui est un Dominicain, mais qui travaille conjointement avec les universités américaines qui viennent faire ses recherches. Et il y a la zone Porte au Ciel dans le plateau central qui est un intérêt majeur. Il y a la rivière de Thomond dans le centre. Il y a la Presqu'île du Sud qui est d'un intérêt majeur. Il y a Vieux-Bourg d'Aquin, Bédécaille dans la ville d'Écaille et à l'Île-la-Vache, la plaine d'Écaille, la montagne de Terre-Neuve dans l'Antibonite, la savane désolée dans la vallée de l'Antibonite et l'île de la Tortue dans le nord-est. Voilà les sites potentiellement connus où il y a du pétrole. Et si vous lisez bien les journaux, vous êtes au courant qu'il y a peut-être 6 ou 7 mois que le président, le gouvernement de Martelly avait signé un contrat avec une compagnie haïtiano-jamaïcaine, d'accord, pour faire des recherches du côté de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, personne n'a encore les résultats de ces recherches. Mais je suppose que le bureau des mines et de l'énergie est au courant. Donc, de toute façon, si les données étaient déjà arrivées au bureau de l'énergie, bureau des mines et de l'énergie, je suis sûr que j'aurais déjà ces données en main. Donc, ce n'est pas encore arrivé. L'or, le cuivre et l'argent d'Haïti. Nous avons, pour cela, nous allons étudier le massif du Nord, qui est un complexe volcano-sédimentaire. Ce massif du Nord forme un complexe volcano-sédimentaire dans lequel les roches plutoniques se forment lors du refroidissement d'un magma en profondeur. Et la lenteur du processus jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années permet aux roches de se cristalliser. C'est ce que nous avons expliqué dans toutes les démonstrations que nous avons faites antérieurement. La mise en place de ce pluton s'accompagne de phénomènes thermiques et hydrodynamiques qui ont généré l'accumulation de substances métalliques dans l'environnement de l'intrusion, notamment dans la phase hydrothermale où la circulation de fluides minéralisateurs dans les fissures et les interstices de l'encaissant
volcano sédimentaire et aussi dans la roche intrusive elle-même a produit le dépôt de minerais en plusieurs endroits du massif du Nord et du massif du Terre-Neuve. Voilà, là je vous ai mis la carte et avec la cordillère centrale et c'est cette cordillère centrale et la partie de Montagne Noire, Trou d'eau, c'est ici qu'on retrouve, qu'on a fait des recherches et qu'on a la preuve et la quantification du volume de ces minerais que nous avons. Vas-y. Voilà, ici, c'est une carte qui montre les points où les recherches ont été faites. Ça, c'est par là, Newmont. D'accord? C'est la compagnie Newmont. La compagnie Newmont est la compagnie, est l'une des plus grandes compagnies d'extraction minière. Et après, la Barrick Gold. Et c'est la Barrick Gold qui se trouve en République Dominicaine, dans la ville de Cotuí, qui est en train d'extraire de l'or et de l'argent. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le département de l'Ouest? Dans le département de l'Ouest, nous avons la bauxite de Savanbouille dans la commune de Fonverret, la bauxite de Forêt-les-Pins qui est à 15 km de Tchoc, et nous avons des indices de pétrole, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Plaine du Cul-de-Sac, île de la Gonâve, Rame de Pont-au-Prince, Côte Vincent-Cadet, Chaîne des Mateux et la plaine de Léogane. Dans le département du Centre, nous avons des indices d'or dans la région de la Mielle qui est localisée dans la commune de Cercalassource. Nous avons des substances énergétiques aussi, qui est le gisement de lignite ou charbon naturel et des indices de pétrole à Tomoy. Quand je dis indice, ça veut dire qu'on a des présomptions, mais on n'a pas encore fait de recherche. Dans le département du Nord-Est, nous avons le gisement d'or de Faibé, situé au sud-est de la ville de Trou du Nord, dans la commune de Terrierouge. Nous avons le gisement de cuivre de Douvré, situé au sud-est de la commune de Terrierouge. Mon Terrierouge, attention, pas avant de tel ou non, c'est ça. Gisement de cuivre de Blondin, commune de Terrierouge. Gisement de cuivre de Vallière, dans la commune de Vallière. Indice de cuivre à Dorada. Indice d'or et d'argent de Monde Organisé, localisé au sud de la ville. Indice d'or de Grande Savane, dans la commune de Montbain-Cochu. Indice d'or de Bois de Laurence, dans la commune de Montbain-Cochu. Et puis, Haïtien, dans un zaïo, il a mangé roche. C'est pas possible. Allez. Vas-y. Dans le Nord, gisement au argentifère de type Gossan silico-baritique, qui est localisé au Monde Grand Bois. Gisement au argentifère localisé à Monde Bossa. 6 indices d'or et d'argent, dont le Central Bridge, Ridge à 600 mètres au sud-est de Concord, localisé à l'endroit dénommé Christophe, qui est à 200 mètres au sud-ouest de Central Ridge. Et identifié, toujours des gisements et les indices d'or identifiés autour de Grand Bois et Rose Massabielle, qui est identifié à Boukari, entre Grand Bois et Central Ridge, localisé à Ravine de Mine, à 450 mètres au sud-est de Grand Bois et aussi aux alentours de Grand Bois, localisé à Fond Bleu. Dans le nord-ouest, nous connaissons. Nord-Ouest sont tellement isolés et Nord-Ouest sont tellement il y a gouvernement qui passait depuis nous faire nous prendre indépendance non pas jamais occupé Nord-Ouest là. Et Nord-Ouest c'était une zone qui était plus boisée, c'était une zone qui était plus boisée dans le pays là. Américains viennent déboiser entièrement pour que tout bois aller à construire dans le pays là, d'accord. Et puis Kounia, ces zones tellement désolé que y aurait le Far West. D'accord? Qui ça vient là-dedans? Il y a un indice d'or à Jean Labelle qui est localisé dans la commune de Jean Labelle à Vert-de-Gris.
Indice d'or de Hansa Foller identifié sur trois sites, la mine, Colombo et Rivière des Barres. Et indice de bauxite à Bombardopolis et à Marouge. Haïti est un pays riche, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-il classé comme le plus pauvre de l'Amérique? C'est une question que je vous pose. Pourquoi? Je vais vous répondre. Si nous avons l'habitude d'écouter les politiciens de ce pays, quand ils parlent de Haïti, Haïti, pour eux, est un pays de seconde zone. C'est un pays qui n'a absolument rien là-dedans, et c'est pourquoi eux tous, ils veulent prendre le pouvoir pour aller se frotter avec les Blancs et pouvoir tirer des Blancs quelques centimes, d'accord, pour se sentir riche. Mais ils n'ont jamais fait appel aux techniciens comme vous et comme moi, d'accord, pour avoir des données sur la valeur de ce pays, sur le sous-sol, sur la capacité des Haïtiens, sur le volume d'eau que nous avons dans les rivières, sur le volume d'eau que nous avons dans les sources. Ils ne savent, ils n'ont aucune donnée sur ce pays. Peut-on diriger un pays sans données? Non. Eh bien, voilà pourquoi nous sommes pauvres. Merci.